Dans l'organigramme des grands travaux, il existe une structure dénommée coordination technique qui est un peu l'alpha et l'oméga des ouvrages patronnés par les grands travaux. Le coordonnateur technique s'appelle Oscar Otoka. Il travaille au 8e étage de l'immeuble du ministère et il est notre invité aujourd'hui. Mais avant de le recevoir sur le plateau de territoire et aménagement, Gustel Koudissa nous donne ces quelques éléments. Et à tout à l'heure. Constitué de 5 départements, à savoir le département des infrastructures de transport, le département de l'énergie et de l'eau, le département de l'informatique et des nouvelles technologies, le département des bâtiments et équipements et le département des aménagements, la coordination technique de la délégation générale aux grands travaux a pour mission essentielle de prendre part au processus d'aboutissement des marchés et d'examiner sous l'angle technique les devis de tous les marchés que octroie la DGGT. Avec aux commandes Oscar Otoka, ingénieur en génie civil, diplômé spécialiste en ouvrage d'art de l'École nationale des ponts et chaussées, diplôme obtenu à Paris en France en 1994. Considéré comme la pièce maîtresse de la DGGT, Oscar Otoka a roulé sa bosse dans plusieurs structures telles GID, Entreprise Tabé, Entreprise Miambanzila et ESCOM. En 1998, il est nommé attaché aux travaux publics et à l'équipement au cabinet du chef de l'État. C'est donc en juillet 2003, lors de la création de la DGGT, par décret, que Oscar Otoka est nommé directeur de la coordination technique, puis coordonnateur technique. Fonction qu'il assure avec satisfaction jusqu'à ce jour. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro de Territoire et Aménagement. Oscar Otoka, on dit de vous que vous êtes la carte SIM des grands travaux. Je ne sais pas si la comparaison est exagérée, vous allez nous le dire. Mais en tant que coordonnateur technique aux grands travaux, quelle est votre place dans l'organigramme? Qu'est-ce que vous faites? Merci, monsieur Kakou. En tant qu'individu, j'ai une place comme tous les autres ingénieurs qui évoluent au sein de la délégation générale des grands travaux. Voilà. Mais l'organigramme vous place à quel... Voilà, c'est ça. Coordinateur technique, voilà. Je parle donc de la coordination technique. Mm-hmm. La coordination technique, elle assure la maîtrise d'œuvre de tous les projets initiés dans le cadre des grands travaux. Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est que le maître d'œuvre? Voilà, c'est ça. Le maître d'œuvre est la personnalité physique ou morale désignée par le maître d'ouvrage pour défendre ses intérêts et suivre le projet pendant son exécution, depuis la conception jusqu'à la réception. Mmh. Voilà le rôle du maître d'œuvre. Voilà. Donc, c'est l'attribution principale de la coordination technique à la délégation générale des grands travaux. Bon, alors, qu'est-ce que vous faites concrètement? On dit que vous prenez part au processus d'attribution des marchés. Enfin, essayez d'énumérer un peu vos tâches. Oui. Nous prenons part à l'élaboration des termes de référence. Mm-hmm. Nous les élaborons de concertation avec les ministères bénéficiaires des projets, les ministères mm-hmm. sectoriels. Mm-hmm. Ensuite, nous prenons part à l'attribution de ces marchés-là. En tant que membre du comité technique de la délégation générale aux grands travaux, mm-hmm. membre de la commission de passation des marchés, nous prenons part à l'adjudication. Mm-hmm. Ensuite, ces projets doivent s'exécuter. Oui, mais on dit que vous expertisez les devis fournis par les soumissionnaires. Est-ce que c'est ça? C'est-à-dire, à la soumission, ces devis doivent être analysé techniquement. Et c'est vous qui faites ce travail. L'expertise est au niveau de la coordination technique à travers les départements. Et pourquoi on a besoin de les analyser, ces devis? Il faut se rassurer que ces devis sont exacts, sont corrects. Il faut se rassurer qu'il n'y a ni surfacturation, ni sous-facturation. C'est pour ça qu'il faut un examen minutieux de ces devis avant de passer les marchés. Voilà, donc vous participez à l'attribution des marchés. Ensuite, quelles sont les autres tâches? L'attribution des marchés, ensuite, une fois le marché attribué, nous suivons au quotidien l'exécution des travaux mm-hmm. avec un bureau de contrôle sélectionné à cet effet, mm-hmm. et jusqu'à la réception de l'ouvrage. Pourquoi on a besoin d'un bureau de contrôle? Parce qu'aux grands travaux, on ne dispose pas de toutes les spécifications, toutes les qualités requises pour... élaborer au peigne fin un ouvrage. Mmh. Donc on associe
un bureau de contrôle ou un ingénieur conseil pour nous accompagner dans ce processus. Et ceci dans tous les marchés publics. Et autre tâche qui vous incombe, vous réceptionnez les chantiers. C'est-à-dire à la fin d'un chantier, le chantier est fini, il faut se rassurer que le cahier de charge a été bien respecté. C'est pour ça que nous convoquons la commission, nous invitons la commission de réception des ouvrages finis, qui est une commission nationale, à prendre part à cette réception-là, auquel tout le monde pose toutes les questions. Et les essais sont même entreprises avant d'y arriver. C'est-à-dire vous réceptionnez, vous d'abord, grands travaux, avant de mettre à la disposition du ministère bénéficiaire, c'est ça? Le passage d'un ouvrage, de la délégation des grands travaux au ministère se fait à travers ce qu'on appelle un acte de transfert. Donc, une fois l'ouvrage réceptionné, un acte de transfert est élaboré pour transférer l'ouvrage au ministère sectoriel pour la gestion. Alors, on dit chez vous que chaque chantier a sa particularité. Essayez de donner quelques exemples. Chaque chantier a sa particularité. Même deux bâtiments identiques, chacun a sa particularité parce que le sol n'est pas le même. Donc, il faut, dans chaque chantier, faire les essais de sol pour se rassurer que la fondation qu'on est en train d'ériger est la bonne. C'est celle qui répond au mieux aux charges de l'ouvrage. La topographie n'est pas aussi la même. L'hydraulique n'est pas aussi la même. Donc, à chaque chantier, obéit à une spécificité auquel il faut étudier auparavant. Disons qu'un pont est différent d'un bâtiment, enfin. Là encore, c'est deux ouvrages différents. Tout à fait. J'ai parlé dans le cas des mêmes ouvrages. Les mêmes ouvrages, d'accord. Même à même niveau, le chantier n'est pas le même. D'accord. Alors, vous participez au processus d'attribution des marchés, vous réceptionnez, c'est un peu comme l'alpha et l'oméga. Alors, pour la compréhension du grand public, nous allons prendre trois chantiers emblématiques. Commençons par celui du complexe sportif de Kindélé. Alors, comment les choses se sont passées ici? Après Maputo, le tour revenait à Brazzaville. Oui. Et nous ne disposions pas assez de temps pour mener à bien un chantier si gigantesque. C'est ainsi qu'avec le ministère du Sport, nous nous sommes assis pour rédiger les termes de référence. Par exemple, le ministère du Sport a fait savoir que la finale ne peut se jouer que sur un stade de 60 000 places. Minimum. Entre autres, ce sont les éléments des termes de référence. Donc, tous ces éléments-là réunis ont fait l'objet d'un document d'appel d'offres qui a été lancé. Et on a eu donc des entreprises soumissionnaires. Tenant compte des temps impartis, il fallait procéder à un allotissement. Parce que... C'est quoi l'allotissement? Aucune entreprise ne serait capable de réaliser l'ensemble des infrastructures elle-même. Donc il fallait repartir ça en lot. L'allotissement vient du mot lot. Donc il y a un lot. Les voies d'accès. Les voies d'accès elles-mêmes divisées en sous-lots. Il y a un lot complexe sportif. Oui. Il y a un lot hébergement des athlètes, et ainsi de suite. Il y a eu l'électricité, il y a eu l'eau potable, ainsi de suite. Et les appels d'offres lancés ont conduit à des sociétés qui se sont vues attribuer des marchés. Dès lors, des ingénieurs conseils ont été recrutés et on s'est mis au travail. Et donc, il y a eu plusieurs entreprises sur le complexe sportif. Il n'y a pas eu une seule entreprise. Il y a eu China State, qui a eu le plus gros lot. Oui. Donc, le stade, le palais des sports, puis d'autres, les stades d'entraînement et autres. Il y a eu l'entreprise Dzengwe, qui a eu à sa charge une partie des logements, qui a eu à sa charge l'hôtel, le centre des médias. Il y a eu Sinohydro, qui a participé à la construction des logements. Il y a eu d'autres sociétés chinoises telles que Seudi et autres qui ont participé à la construction des gymnases dans les cités. Ensuite, il y a CRBC qui a construit le viaduc, long de 7 km environ. Il y a eu SGEC sur les échangeurs. Il y a eu Colas sur la troisième sortie nord. La deuxième sortie nord, et Andrade sur la première sortie. Nous reviendrons sur les échangeurs tout à l'heure. Alors passons à cette autre réalisation qui fait la fierté de Brazzaville aujourd'hui, le viaduc qui sert de voie d'accès au stade justement. Comment s'est passée l'attribution de ce marché? Il y a eu donc un appel d'offres à la suite d'une étude menée par le cabinet français Régis. Un appel d'offres a été lancé et trois sociétés ont soumissionné.
les trois sociétés étaient toutes chinoises. Et pourquoi? J'ai l'impression que le défi était de taille. Était de taille, oui. Ouais. Et que seules les sociétés ayant une grande capacité financière pouvaient s'hasarder à solutionner parce que là aussi, sur les 103 milliards hors taxes, l'entreprise n'a même pas reçu la moitié. Mais l'ouvrage est fini. Ah ouais, ça donc c'est... nous pouvons revenir là-dessus. Oui, d'accord. Et l'offre la mieux disante a été celle de la société CRDC qui s'est vue attribuer le marché et a réalisé ce chantier en, temps, en un temps record, 12 mois exact. Oui, justement, je reviens là-dessus. Il paraît que le viaduc n'est pas encore terminé, raison pour laquelle la nuit, il est dans le noir. Il nous reste quelques petites finalisations dans le volet éclairage public. Alors, pour mieux organiser les Jeux africains, les lampadaires du viaduc ont été alimentés à partir d'un groupe électrogène. Donc, toutes les autres commodités électriques, notamment les transfos et câbles et autres indispensables à la connexion, sont encore flottants. On me signalait qu'ils sont arrivés à Pointe-Noire. Ah, mais là, l'entreprise peine à les dédouaner, comme je le disais tout à l'heure, que moins de la moitié des sommes dues ont été payées. Alors, enfin, troisième réalisation à épingler dans notre émission, c'est la route Pointe-Noire-Brazzaville et j'ajouterai même Ouesso. Comment s'est passée l'attribution de ce marché? Bon, avant d'y en arriver là, je voudrais encore reparler un peu des voies d'accès. Allons-y. Parce que par voie d'accès, nous ne voyons pas seulement le viaduc de 7 km de Kintele. Ah oui. Voyons aussi le viaduc qui se construit derrière le palais présidentiel. Ah oui, c'est vrai, bon, Il s'agit d'un ouvrage d'art qui fera demain la fierté de Brazzaville. De Brazzaville, voilà. Un pont à haubans et courbe d'une portée de 255 mètres. C'est du jamais vu en Afrique noire. C'est ah bon, en Afrique noire. Qu'on verra en Afrique. De ce type. Voilà. Donc ça fera la fierté de Brazzaville et surtout qu'il sera illuminé aux couleurs de la République pendant la nuit. Et celui-là, il sera prêt quand? L'ouvrage est presque fini. C'est fini. Nous attendons donc ces éléments de luminosité pour que la nuit, l'ouvrage soit éclairé. Il ne reste qu'à éclairer cet ouvrage de nuit. C'est une prestation additive que les autorités ont bien voulu. On demandait. Et le 16 décembre, ces équipements vont arriver au port de Pointe-Noire. Alors, venons-en à la route Brazzaville-Pointe-Noire. La route Brazzaville-Pointe-Noire ou Pointe-Noire-Brazzaville, commençons par le PK0. Voilà. Donc, vous savez que c'est un grand défi. Cette route, nous avons aujourd'hui 55 ans d'indépendance. Oui. Beaucoup de chefs d'État y sont passés et on n'en a vu même pas un projet. Parce que l'enjeu était de taille au niveau du Mayombe. Donc pour ce faire, cette route a été divisée en deux lots. Le lot le plus difficile, il fallait l'affronter, c'est le lot Pointe-Noire d'Olizy. Il fallait le Mayombe. Avec des déblais allant jusqu'à 54 mètres de profondeur. Il faut creuser sur 54 mètres de profondeur. Parce qu'il fallait à tout prix éviter un tunnel routier. Le routel de routier, nous ne savons pas encore l'entretenir. Ah oui. Tunnel routier, c'est assez complexe. Une ventilation 24 heures sur 24. Permanente, absolument. Et chaque jour, il faut qu'il y ait de l'électricité pour extraire les gaz des véhicules. Ah bon? Voilà. Et avec les difficultés un peu d'électrification encore chez nous, donc il fallait à tout prix éviter le tunnel routier, d'où quelques pentes sont un peu exagérées, mais le défi. Donc il fallait forcément contourner, surmonter les montagnes, etc. Et ainsi de suite. Voilà. Le premier tronçon a été achevé et inauguré de 160 km environ, Pointe-Noire à Dolizy. Le deuxième tronçon a consisté donc de Dolizy à Brazzaville. Aujourd'hui, tous les travaux préparatoires sont exécutés à 100%. Tous les terrassements sont finis. La couche de fondation, la couche de base sont finies. La couche de renforcement en grave bitume est finie. Il ne nous reste qu'un kilomètre environ parce qu'il y a un ouvrage à la Lukumi dans les environs de Mindouli à exécuter qui n'est pas encore fini. Et un kilomètre de pas, 500 mètres de part et d'autre ne sont pas encore revêtus. La couche de roulement, elle est déjà étalée sur plus de 250 km.
Donc il ne reste que 100 km environ à revêtir. Et le délai du contrat nous laisse aller jusqu'au mois d'août. Nous n'y arriverons pas. Mais Oscar, en tout cas, il y a une critique qui revient souvent à propos du tronçon Pointe-Noire-Dolisy. Les gens se plaignent de ce que l'épaisseur de la chaussée a été sous-estimée. Alors, elle est en train de se dégrader. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, non. Une route se dimensionne par rapport à un trafic donné. Mm-hmm. Il y a des routes de trafic T1, T2, T3, T4, T5, T6, en fonction du nombre de véhicules par jour. Et en termes de véhicules, on voit bien les poids lourds. Et au commencement, au début, la route a été dimensionnée pour un trafic T3. Voilà. Dès le départ, pour la partie congolaise, il fallait dimensionner cette route directement en T4. Voilà. Nous avons été butés parce que nous étions en programme avec les bailleurs de fonds qui voulaient bien un trafic de type T2 et une route de 7 mètres. Voilà. On est arrivé à trouver l'intermédiaire, un trafic de type T3. Aussitôt la route finie, le trafic T3 a été atteint et dépassé. Et avec les surcharges à l'issue au niveau des grumiers, tout de suite la route a connu une dégradation précoce. Voilà. Nous, il fallait tout de suite la refaire, réagir, passer au trafic T4 et activer les paysages qui sont en cours de fonction. Et c'est ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, on ne peut plus passer sur le tronçon Dolisy-Pointe-Noire avec un véhicule dont l'essieu pèse plus de 13 tonnes. C'est la réglementation au niveau de la CEMAC. À plus de 13 tonnes, vous êtes interdit de... C'est interdit. C'est la réglementation au niveau de la CEMAC. Et à ce sujet, l'Afrique de l'Ouest n'autorise que 11 tonnes et demi. Ah, la France, 12 tonnes. Les Pays-Bas, 10 tonnes. Et nous, on est nous à 13. Quand même à 13 tonnes. Félicitations. Alors, monsieur le coordonnateur, voici une question que le public se pose. À qui incombe l'entretien des ouvrages que vous réalisez? Je donne un exemple. L'éclairage de la route entre Mazala et Nkombo, les lampadaires solaires qui ont été installés sont tous en panne. Qui doit réagir? Vous savez, aujourd'hui, quand je voyage, je vais à Mayamaya, je suis comme tout citoyen. Alors que quand on était en chantier, j'avais accès partout. Ah bon? En ma qualité de maître d'œuvre. Voilà. Aujourd'hui, je rentre à Mayamaya comme tout autre citoyen parce que l'ouvrage a été réceptionné et transféré. L'entretien, c'est un problème d'exploitation. C'est à l'exploitant qu'incombe l'entretien de l'ouvrage. Le constructeur, quand l'ouvrage est transféré, il est transféré. Donc l'entretien n'est plus sa préoccupation. L'entretien n'a plus sa place au niveau de la construction. Il s'agit d'un problème d'exploitation. Donc c'est l'exploitant qui doit assurer l'entretien de l'ouvrage. Bon. Alors la route dite de la base entre le rond-point Mazala et le rond-point Oumi, entre la base et Mvilou, cette route n'est pas du tout éclairée. Elle a été bien construite, on y circule parfaitement bien, mais il n'y a pas de lumière. Bon, cette route avait été bien construite, mais hormis la lumière, elle souffre. Ah. Elle souffre parce que à chaque fois, les réseaux vétus de la SN2 sont en train de péter et ça endommage fortement cette route. Voilà. Oui. Donc, il n'y a pas que l'éclairage public, il y a aussi les réseaux de la SNDE qui sont vétustes. Il faut vraiment les remplacer. Voilà. L'éclairage. L'éclairage. Nous avions voulu à un certain moment expérimenter l'éclairage par panneaux solaires. Voilà. Donc, le premier tronçon à recevoir ce type d'ouvrage, c'était la route Kombo-Mukundo. Mazala-Nkombo, oui. Kombo-Mukundo. Il y a aussi d'autres voiries dans la ville. Je parle de Gutambongo. Il y a le boulevard Denis Sassou Nguesso à l'aéroport. Oui. Et le tronçon de Filou, de Mukundo en Filou, oui, était projeté à être éclairé par les panneaux solaires. Solaire, voilà. Donc, les panneaux solaires qui sont arrivés, malheureusement, il y a eu disparition de ces panneaux au port de Pointe-Noire. On les a volés. La délégation générale de grands travaux a saisi la police. Jusqu'alors, nous attendons cette enquête. En tout cas, à mon niveau, cette enquête n'est pas encore rendue disponible. Donc, voilà un peu le sujet. Il va falloir recommander d'autres panneaux. Malheureusement, on tombe dans une conjoncture qui n'honore personne. Tout à fait. Avec des coûts du balai très bas. Ce matin, j'ai vu qu'on était à 36.
C'est très, très petit. Très, très difficile, absolument. Alors, venons-en à l'échangeur que vous avez évoqué tout à l'heure. Les travaux du deuxième échangeur de Talangaï sont arrêtés. Les populations aimeraient bien comprendre pourquoi. Que se passe-t-il? Alors, pour le viaduc de 7 km environ, je disais qu'il coûtait 103 milliards et l'entreprise n'a reçu à peine que la moitié des fonds. Toutes les entreprises n'ont pas les grandes capacités de préfinancement comme la société CRBC ou China State. Un contrat, lorsqu'il est conclu, chaque partie a des obligations. L'entreprise a l'obligation de respecter le cahier de charges. L'administration a l'obligation d'assurer les paiements. Donc, il s'est avéré que les paiements n'ont pas suivi et l'entreprise SGEC Congo s'est vue en droit d'arrêter les travaux. N'ayant pas les grandes capacités financières de l'autre entreprise. C'est de leur droit, on ne peut pas le leur reprocher. Absolument. C'est le cas de la société Colas, oui, qui a en charge la réhabilitation de la deuxième sortie nord. C'est le cas aussi de la société Andrade, qui a en charge la réhabilitation de la RL2 partant du pont Mikalu au pont Djiri. Donc, sur ce tronçon, par exemple, à hauteur de Makabandini, il est prévu la construction d'un collecteur, un grand collecteur, qui prend les eaux depuis le cimetière de Tatoulou jusqu'à la rivière qui est en bas de Makabandi. Un collecteur long de 4 km. Mais il n'a été réalisé que sur 100 mètres. Oui. D'où toutes les eaux ne sont pas canalisées. Voilà. On voit bien les eaux couler sur la chaussée. Voilà, c'est ça. Les dégradations qu'on est en train d'observer actuellement. Alors, justement, vous avez parlé du pont de Mikalu. Ce pont exige aujourd'hui une intervention rapide pour une solution rapide. Est-ce que la chose est déjà envisagée au niveau des grands travaux? Techniquement, la solution la plus viable est d'abord d'éradiquer le phénomène dans sa maison. Voilà. On est obligé d'abord contre les érosions. Même si nous surélevons l'ouvrage aujourd'hui, oui, avec les érosions, il sera toujours attrapé. Toujours, oui. Pour preuve, le pont sur la Chimay, à hauteur de la Seine-Cesse, aujourd'hui, tend à être rattrapé. Il est menacé, oui. Et pourtant, il a été surélevé. Voilà. Donc, la cause, il faut d'abord cerner les causes, lutter contre ces causes, et non à tout moment de surélever les ouvrages. C'est ça. Et comment faut-il faire pour lutter? Comment faire? Il faut d'abord un problème de civisme. Oui. Vous voyez, nous occupons anarchiquement les espaces dans nos villes. Il faut qu'on arrive à éviter d'occuper les flancs de colis. Les flancs de colis, voilà. Ceci provoque les érosions énormes, surtout aux environs de Brazzaville, surtout à Brazzaville Nord, où on trouve les sols batiqués. Ils sont dits batiqués, c'est une qualification. C'est quoi le sol batiqué? C'est une qualification géotechnique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire ces sols-là qu'on trouve principalement dans le plateau batiqué. Oui. Et ces sols, ils sont sablonneux. Sont très sablonneux. C'est lors de la construction de la route du Mayama que ce problème a surgi. Ah. Vous savez qu'aujourd'hui, la route du Mayama vit des coupures instantanées de route. Absolument. Vous roulez sur la chaussée, bref, une coupure. Voilà. C'est parce que ces sols sont très fragiles, beaucoup sablonneux, beaucoup cohésifs, peu de cohésion, pardon, oui, que à la moindre goutte d'eau, et surtout lorsque la couverture végétale est enlevée, que ces sols se transforment en boue et coulent de partout. Ah, donc la classification des sols a été appelée sable batiqué. Voilà. Et c'est ce que nous vivons le long du viaduc. C'est ce qu'on vit le long du viaduc. Et c'est tout le flanc de Ngamakoso descend vers le viaduc, au risque demain aussi. Donc il est question de que toutes les populations qui ont construit là-dessus, il est question qu'on... Il faut d'abord aménager avant le cul. Alors venons-en à ce projet ambitieux, pont, route, rail entre Brazzaville et Kinshasa. Une réunion de la CEAC s'est tenue à Douala sur ce projet. Alors où est-ce qu'on est aujourd'hui sur l'exécution de ce projet? C'est un projet où au niveau du NEPAD, le président Denis Sassou Nguesso a été désigné comme champion. C'est-à-dire, au niveau des réunions du NEPAD, c'est le président de la République du Congo qui doit rendre compte à ses pairs
de l'avancement de ce projet. Donc c'est un projet, comme vous le voyez, qui tient à cœur au Congo, non seulement au Congo Brazzaville, mais aussi au Congo Kinshasa. Alors, nous sommes donc au niveau des études. L'avant-projet détaillé est attendu pour le mois de décembre. C'est-à-dire en fin décembre, nous aurons enfin l'étude de cet ouvrage entre Brazzaville et Kinshasa. L'étude a pris un peu plus de temps à cause des difficultés liées à l'exécution des sondages en rivière au fleuve Congo. Nous avons engagé des sondages en rivière, mais vous savez, les profondeurs à cet endroit vont au-delà même de 40 mètres de profondeur. Et ça a compliqué tellement la situation que le projet a pris un an de retard. Mais en décembre, la réunion de Douala, convoquée par la CAC à Douala, en décembre, avec le consultant, les choses sont bien rassurées qu'en décembre, nous aurons ce projet disponible. Et en janvier, sous l'égide de la CAC, une table ronde des bailleurs de fonds. Ah, table ronde des bailleurs de fonds. En 2016, en 2016, une table ronde des bailleurs de fonds sera organisée et chaque bailleur de fonds manifestera son intérêt à financer ce gigantesque projet. Et maintenant, ces bailleurs de fonds, comment pourront-ils récupérer leur argent? L'étude économique a démontré que ce projet est économiquement viable. Il y a un taux de rentabilité intéressant. Donc, même en partenariat public et privé, ce projet peut se financer. Ah bon? Bon, Oscar Otoka, dites-moi un peu, est-ce que aujourd'hui l'expertise existe pour réaliser ce pont? Parce qu'à l'époque, on disait, bon, c'est techniquement difficile, construire un pont sur l'eau, le fleuve Congo, qui a un courant très fort. Est-ce qu'aujourd'hui l'expertise existe pour construire ce pont? Aujourd'hui, en matière de travaux, rien n'est difficile à une expertise. On a vu en Europe les autres construire des tunnels sous la Manche. Oui. On voit bien au Japon des ponts pareils de plus de 7 km. Oui. Donc l'expertise, elle y est. Ah, ce pont est faisable. Il est faisable. Techniquement, il est faisable. Seulement, à cause du courant d'eau, il coûtera un peu plus cher. Un peu plus cher. Voilà. Bon, alors, on dit que la réalisation de ce projet se heurte à des méfiances de part et d'autre. Kinshasa se méfie, Brazzaville se méfie. Qu'est-ce que vous répondez pour rassurer les uns et les autres? Je l'entends aussi dans la rue. Vous allez construire un pont entre Brazzaville et Kinshasa. Brazzaville, on est sous-peuplé, on sera envahi. Non, je pense qu'il ne faut pas voir les choses dans cet angle-là. Premièrement, nous sommes avec la RDC, ensemble dans une communauté économique, peut-être pas monétaire, mais économique, au niveau de la CEAC. Difficile de concevoir qu'à ce siècle, deux pays qui sont dans une communauté et ayant les capitales les plus rapprochées du monde, il n'existe pas un lien physique direct. Un lien physique direct entre ces deux États. Il faut, à mon avis, rapprocher cette traversée. Il faut simplifier les procédures de traversée à travers la construction d'un ouvrage. Ensuite, ce pont est une opportunité pour les deux États. Vous voyez, Pointe-Noire, c'est un port en eau profonde. Oui. Nous venons de construire une grande route entre Pointe-Noire et Brazzaville. C'est une opportunité pour le Congo. Absolument. Et cela permettra de capter tout le trafic qui va à Kinshasa. Le port de Pointe-Noire, on met ton conteneur sur un porte-char qui arrive au port de Brazzaville, il arrive à Kinshasa. Donc cela va de soi, nous allons rentabiliser nos infrastructures, nous allons rentabiliser non seulement le port de Pointe-Noire, mais aussi la route. Ensuite, les clandestins eux-mêmes. J'avoue que les clandestins ne prendront pas le pont. Les clandestins continueront à passer par leurs canaux habituels. Traverser de nuit nous en pirogue. Nous partageons avec la RDC une frontière de plus de 1000 km. Ouais. Nous ne pouvons pas avoir peur seulement d'un seul point. Un clandestin, il peut aller à Fouetta, à Tombo-Manyanga, et il traverse. À Osaka, le Kolela, il traverse. Qu'est-ce qu'il y a à avoir peur d'un pont? Non, c'est une aberration. Je pense que le pont Route Rail est une opportunité, surtout pour le Congo-Brazzaville. Et Kinshasa, c'est un grand marché. Oscar Otoka, une dernière question. Quand une
dans les voiries urbaines de Brazzaville, où vous avez réalisé de nombreuses constructions, quand une route se dégrade, la réparation incombe à qui? Même là où vous avez construit, vous? Je pense que j'ai déjà répondu à cette question, parce que un ouvrage, quand il est réceptionné, transféré, c'est au gestionnaire d'assurer l'entretien de l'ouvrage. S'il n'est pas encore réceptionné à ce moment, c'est le constructeur qui assure la réparation. Et dans le cas d'espèce, le gestionnaire, c'est la mairie? Bon, un ouvrage construit à Brazzaville, la réception se fait avec la mairie de Brazzaville. Ah oui. Un ouvrage construit à Pointe-Noire, la réception se fait avec la mairie de Pointe-Noire. Mais la mairie pourrait rétorquer qu'elle n'a pas de budget pour ça. Monsieur Kakou, je ne sais pas comment répondre à cette question. D'accord. Le budget, c'est une affaire nationale, c'est une affaire d'État. Est-ce que c'est à la Délégation générale aux grands travaux d'inscrire le budget pour le compte des collectivités, dans le compte de leur fonctionnement ou d'entretien de l'ouvrage? Moi, je pense que non. Nous avons nos attributions qui sont claires. Nous construisons les ouvrages et nous les mettons en exploitation. Une fois construit, l'ouvrage en cours d'exploitation, je pense que les responsabilités de la Délégation des grands travaux doivent, au fur et à mesure, cesser d'exister. Oui. Je construis, je peux dire, la Délégation des grands travaux assure le pilotage des ouvrages du palais présidentiel. Mais vous n'allez pas me dire chaque jour d'aller au palais présidentiel pour surveiller si les toilettes sont bouchées ou pas. Non, c'est ça. Oui. Ça se passe très bien avec le domaine présidentiel. S'il y a une grosse réparation majeure, nous sommes saisis. À ce moment, on établit la responsabilité. Est-ce que c'est une malfaçon? Est-ce que les choses ont été mal faites? Est-ce que c'est un vice caché? À ce moment, on se concerte et on répare l'ouvrage. On ne peut pas systématiquement s'occuper de l'entretien en tant que délégation générale aux grands travaux. Non, ce ne sont pas nos attributions. Voilà. Le viaduc, on a dit tout à l'heure qu'il n'était pas entièrement terminé. Quand est-ce qu'il sera fini, le viaduc, l'accès, la voie d'accès à Kintélé? Je disais que les éléments liés à l'éclairage public de ce viaduc sont arrivés à Pointe-Noire et l'entreprise a du mal à les sortir de la douane parce que l'État leur doit énormément sur cette voie. Une fois cela fait, la réception sera prononcée et l'ouvrage sera transféré. Oscar Otoka, nous avons fini notre émission, sauf si vous sollicitez deux petites minutes pour conclure. Non, je dirais que tout ceci a pu être fait grâce à la paix retrouvée. Notre pays, jusqu'en 2004, comptait moins de 1000 km de route bitumée. Aujourd'hui, on en a plus de 3000. Ceci a été fait en l'espace de 10 ans avec la paix retrouvée. J'invite les Congolais à comprendre que sans la paix, on ne peut rien faire. Et évitons de faire un éternel recommencement. Nous, constructeurs, nous aurons très mal à voir, par exemple, l'aéroport de Mayamaya détruit. Nous, constructeurs, on aura très mal à voir le pont Aubon détruit. Il faut capitaliser tout cela. Et ce n'est que la paix qui peut nous aider à les capitaliser. Oscar Otoka, merci. Je vous remercie, monsieur.